Le côté chorégraphique était inévitable car toutes les œuvres que j'ai pu choisir pour ce programme étaient extraites des ballets, donc ce sont les pièces dansantes qui sont introduites dans l'opéra Dramo. Donc le caractère chorégraphique s'y dégageait naturellement. Donc j'ai eu une chance tout d'abord inouïe d'avoir une totale liberté d'avoir choisi ce programme. Donc je me suis tout simplement fait plaisir de choisir des grandes œuvres avec un grand effectif que j'aurais pas pu éventuellement le faire avec un ensemble baroque. Je pensais que ça aurait été plus difficile, mais finalement quand on a affaire à des très bons musiciens, la tâche devient plus facile. Ça paraît bête de dire, mais le musicien baroque, il est habitué à ce langage tout d'abord. Donc quand on travaille avec des baroqueux, on n'a pas besoin d'expliquer des choses de base telles l'inégalité, le fait de former le rythme selon cette culture spécifique, les accents spécifiques de chaque danse. Évidemment, cet accent-là, on doit être clair quand on travaille avec des musiciens modernes. Mais ça va très vite, à partir du moment qu'on explique à des moderneux comment faire, ils comprennent tout de suite. Une chose qui m'a beaucoup impressionné, c'était la puissance de l'orchestre moderne. Je n'ai pas tant d'expérience avec des grands orchestres symphoniques modernes, et donc du coup pour moi c'était un plaisir, c'était un choc positif d'avoir autant de puissance. Donc ça pour moi c'était le caractère que j'ai pu avoir profit, cette énergie et cette puissance tout d'abord. Après, bien évidemment, étant donné qu'ils sont, je parle bien de l'orchestre Simon Bolivar, qui était le dernier projet, ils sont beaucoup habitués à la musique de danse, évidemment la musique latino-américaine, mais le côté chorégraphique, l'énergie et le côté dansant y est présent. La musique française, on la joue d'une manière qui n'est pas forcément la manière qui la musique est écrite. Et donc évidemment, pour un musicien moderne qui ne connaît pas cette culture, il se sent un peu perdu quand on dit qu'il faut déformer les rythmes. Et donc c'était aussi un travail difficile et vocal de ma part de leur montrer qu'il y avait une vocalité dans cette musique et qu'il y avait une déformation qui est une déformation culturelle de cette musique-là, mais que cette déformation n'est pas écrite. Donc évidemment, étant donné qu'elle n'est pas écrite, elle n'est pas mesurée, mesurable. Et donc du coup, j'ai joué quelques extraits au clavecin afin qu'ils puissent comprendre de quoi s'agissait cette déformation. Je pense qu'il était temps de modifier la donne. Jusqu'à il y a très peu de temps, les modernes étaient avec les modernes et les baroqueux avec les baroqueux. Aujourd'hui, on trouve beaucoup des orchestres qui sont fusionnés, où on trouve beaucoup de musiciens modernes qui connaissent déjà les instruments anciens et qui leur permet de naviguer entre la musique ancienne et la musique plus récente avec beaucoup d'aisance et surtout beaucoup de connaissances. Je voulais justement travailler en dehors de l'Europe. Je parle bien en Amérique du Sud, comme était le cas du Venezuela, le Brésil, que je pars prochainement. Et en Asie, par exemple, qui a des très bons orchestres modernes, des orchestres qu'on connaît peu, avec un très bon niveau, car il y a beaucoup de Chinois qui viennent travailler en Europe. Et ces orchestres-là sont vraiment désireux d'apprendre ce langage baroque. Et c'est justement au sein de ces orchestres que je pense que j'ai quelque chose à apporter. Car ma vision, autant que baroqueux, ça leur permet d'envisager de jouer cette musique avec plus de pertinence. Et je suis aussi très content de partager ma connaissance au sein de ces orchestres qui n'ont pas forcément l'habitude de faire ce répertoire.